Yes. C'est connu au 25e verre. Ah, tout à fait. Voilà, vous allez bien. Donc, Molène. Oui. Voilà, ben, merci de. Vraiment, on est très, très ému de voir encore les anciens. Ah, ouais. Je vais dire pourquoi je suis venu, parce que l'ancien qui est à côté de moi, on a servi ensemble le 25e et le 8e. Moi, je suis de la classe 93, donc 20 ans après vous. Donc, vous imaginez. Voilà. On vous remercie de votre vie et vous dit la bienvenue. Merci. Soyez la bienvenue au 12e bataillon de Sénégal. Il y a le capitaine qui est là. Je vais vous amener voir le capitaine, le chef adjoint. Je suis le commandant de la CCS. Vous savez, le caporal a donné une cadence. Et pour la vendre, elle se retrouve au carré d'armes. Et donne la cadence. Et finit avec nous. Donc, c'est un caporal de notre académie. Il est venu, c'est un membre de l'académie. Et aussi le commandant canard qui gère cette société. Voilà, vous passez ça. Nous avons aussi c'est bien à l'ancien et major. Alors, commando, non? Donc, prenez-vous. Mais la, ça c'est la première section. Hein. La première section. Là. Mais c'était la deuxième section. Brasier, etc. On va quitter à la C'est de la 4e compagnie. Bon, vous voyez, de 24, pour 21, 22, c'est voilà, tout à fait. Première, deuxième, troisième, quatrième. On s'approche. Voilà. Bonjour. S'il vous plaît.
Bonjour. Allô, allô. Je me présente, je suis le capitaine Elhadj Falfin, officier adjoint du chef de corps du 12e BAP. J'ai habité ici à peine 4 mois, comme du juillet 2023. Voilà. Je suis parachutiste, voilà. Ancien sous-officier, gendarme, bon. Je suis sorti de l'Eloa en 2011 avec le Batbara. Batbara, c'est pas bon, c'est Batbara. Batbara. C'est le maire, voilà. Non, non, non. Et vous, Blendin? Voilà. Commando. Blendin? Voilà, j'ai servi au Batbara jusqu'en 2020. Ah, ouais. 2020-2023, affecté à Thiès comme chef de centre. Il y a le, à Morolan, là, il y a un centre d'entraînement. Auparavant, c'était au niveau du CETS. Mais ce centre était au niveau de l'OMA en 2019. Je l'ai commandé en 3 ans, 2020-2023. Voilà, grosso modo, un bref passage dans l'armée. Donc, vraiment, nous sommes très contents, heureux de vous recevoir. Que l'on soit, il est bienvenu. Le chef de corps était empêché. Il a empêché. Donc voilà l'encadrement. Ça, c'est le Vietnam. Je vais le présenter. Vietnam, on a la CCS. Comme je l'ai dit, je suis de la classe 93. À l'issue, j'ai fait l'ENSOA, 19e promotion de l'École nationale de sous-officier de ville. Après, bon, j'ai fait le DAGO, affilié à la 34e promotion de l'École nationale des sous-officiers de ville. Le capitaine et mon coach. Donc après j'ai fait le CAPSI aussi, l'application avec le capitaine Kamara ici présent. Et à l'issue j'ai été affecté à Kolda comme chef de section. Là aussi à Ossouli comme commandant d'unité de la CCS. Nous voici aujourd'hui au 12e bataillon, commandant d'unité de la CCS. Voilà le premier passage. Et nous vous souhaitons aussi la bienvenue. Bonjour, bonjour les anciens. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas participé par la marche. Donc, je me présente, je suis le capitaine Elhadj Bafagay. C'est de la 3e compagnie d'instruction. Donc, pour un bref passage, je suis de la 34e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'Agri. Donc, après ma sortie de l'école, j'ai fait mon application à l'école d'application de l'infanterie, à l'EAI, de Thiès, un an. Oui. À l'issue, je suis fantassin, voilà, affecté au 26e comme chef de section. J'ai fait 2 ans là-bas, de 2017 jusqu'à 2019. Mm-hmm. Après de 2019 jusqu'à 2020, affecté au 1er bataillon d'infanterie comme chef de section. Mm-hmm. Et comme on dit dans l'armée, on ne dure pas longtemps, je fais là-bas 9 mois, pour être encore réaffecté au 26e bataillon en tant que commandant d'une de la 3e compagnie motorisée. Dessus, j'ai fait mon cours de capitaine au Brésil. Je suis revenu en décembre 2022. J'ai repris encore ma compagnie, la 3e moto évidemment. Et en 2023, je suis affecté au 12e. Destruction de Saint-Denis en souvenir du 50e du contingent 140, l'AMC de la 140. Non,
La classe 180, président de l'amicale. Merci beaucoup, l'amicale. Très bien. Ça va bien, merci. Matricule 614-00-848. De la deuxième section et de la 29e compagnie. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Là, c'est la chocolat. Hein? On se rend compte qu'il y a encore l'énergie, le dynamisme. En tout cas, vraiment, bon, nous sommes très honorés de vous accueillir dans votre camp. Parce que ce camp-là, donc, c'est vous qui l'avez façonné. Écoutez. Approchez, reconnaissance et tout l'honneur que vous nous faites en voulant donc revisiter donc ce centre d'excellence. Voilà. Donc, où vous avez donc vu votre premier début donc dans les armées. Donc si vous êtes là ici, c'est parce que vous avez un fort attachement aux armées. Ni que la vie militaire vous a beaucoup marqué. Et ça c'est un exemple. C'est un exemple pour nous et c'est une leçon aussi. Parce que vous pouviez vous dire, bon, peut-être la santé est précaire, vous avez tiré votre épingle du jeu, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez pas besoin de revenir ici. Mais quand même, vous avez pris votre temps très précieux pour débattre avec les petites maladies, certainement, donc avec l'âge. Donc, pour venir donc vous retrouver ici. Et c'est des retrouvailles, hein, parce que vous n'étiez pas dans les mêmes entités. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez, donc tant bien que mal, donc pour vous ressourcer. Vous avez vu que le camp a beaucoup changé, beaucoup de développement changé, donc sur le plan matériel. Mais quand même, nous le devons à vous aussi. Parce que si l'armée sénégalaise a eu cette renommée, donc cette image qu'on lui reconnaît aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des anciens qui ont versé de leur sang, de leur sueur, qui ont même raisé le défi et traîné des maladies pour qu'on ait ce prestige aujourd'hui. Donc nous n'avons encore rien fait. Nous devons nous inspirer de vous et reconnaître en toute humilité que c'est l'œuvre de votre travail, de votre sueur. Donc, merci beaucoup les anciens. Merci. Je suis désolé parce que je n'ai pas le temps donc, de passer quelques moments avec vous. Je tenais également parfaitement à échanger. C'est déjà bon, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse avec. Et bonne route. Merci, je vous en prie. Très bien. Thank you.
chargé de la communication, de la relation extérieure et intérieure. Donc il va faire un mot de remerciement. Et vraiment, c'est bien une coupure. Je vous ai dit où il va faire. Ok, donc vous êtes accompagné par des officiers. Écoutez, écoutez. Le commandant de la compagnie civile est là. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, demandez. Après, on va progresser au fur et à mesure. Donc qu'on soit dans un même bloc, voilà, n'hésitez pas à appeler le capitaine pour lui demander. Voilà. Ça c'est quoi, ainsi de suite. Peut-être, ils sont très jeunes, peut-être il y a certains bâtiments qui sont venus après. Voilà, c'est certain, le lieutenant là a fait 12e bâtiment, et moi-même. Et le lieutenant, bon, Ning aussi était là, donc ils connaissent la configuration. Parce que les compagnies sont devenues, elles sont au nombre 4 actuellement. Auparavant, on parlait 21. 22, 24, 22, 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
Vraiment, on nous a fait danser avec cet arbre-là. Le samedi, les capables disaient que bal, aujourd'hui on a un grand bal. Nous avons une nouvelle fiancée qui est là. On vous donne l'ordre d'aller prendre votre fiancée, de l'inviter à danser. On est là, on attend. Mais la fille est là. Allez-y. Et puis, vous le disiez à votre voix, à votre voix. Mademoiselle, comment allez-vous? Bon, elle va répondre. Vraiment, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. La 21e compagnie. Donc, pour les gens qui viennent compte, maintenant, c'est la salle de cours de la première salle de cours de la première compagnie. Mais ce n'est plus des dortoirs, c'est un salon. Sous les arbres. Deuxième, C'était dans notre salle de cours à nous, à l'époque. Voilà. Donc en 1974, hein, voilà. Qu'est-ce qui était à la deuxième, à la 21? Oui, mais là, on est là. Nous sommes là. C'était des minables. Les meilleurs. Quand ils auront fini de faire l'incorporation, ils nous renvoient maintenant les éléments qui sont aptes et sont sélectionnés. Partant de là-bas, on les forme pour 4 ans. Non, l'incorpore c'est juste un mot. Réveille, on avait oublié de le dire, on peut faire. On s'écoute, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît, on a oublié de vous le dire tout au début. On interdit la prise de vue. Ça ne parle pas de cantonnement, ça. Ça dit vous pouvez prendre une photo quand vous le passez, ça se retrouve dans le balai. S'il vous plaît, donc de grâce, laissez-le. Vous avez le représentant de la DIRPA qui est là, il pourra prendre les photos. Et les photos dont vous aurez besoin, il vous les donnera. Merci. Voilà, merci. Voilà, on a. Chaque bâtiment est représenté par une compagnie. C'est bon, hein? On voulait aller là-bas où se trouvent les bonnes dames qui vendaient des cacahuètes, des biscuits et autres. Oui. Parce qu'on avait laissé des bons là-bas. Des bons. C'est le monde aimé. Maintenant, je dirais, vous allez. Vous étiez formé ici. On est officier de casque de la 4e section. Ici, c'est la 4e section de la 22e compagnie. Donc c'est ici que nous le suivons avant de partir. Donc vraiment aujourd'hui, on est vraiment très très. Moi-même, j'ai été formé ici. Vos chambres, Dantan, actuellement en salle de cours.
fallait faire apprendre les gosses, entendre au moment où vous êtes jeune, ce n'est pas pareil. Il y a une évolution au niveau mondial. On a subi cette évolution. Au lieu de faire apprendre les jeunes, ils sont dans les écoles de quelle génération, les mettre sous la barre, ce n'est pas de la pourquoi on a créé ces centres pour au moins pouvoir former ces jeunes. Parce que bien des centres cours, on les met encore dans les centres cours. Ils comprennent ce qu'on est en train de leur dire. C'est pourquoi j'ai venu à vous montrer un spécimen de salle de cours où vous dormez. Mais toi, tu l'aimes quoi? Attention. Je suis un peu plus de
Nous vous disons merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Mais je terminerai mon propos en ce qui vous concerne. Je suis pris à part l'émotion encore. Je pense que on ne peut pas se passer de ce milieu mythique où nous étions débarqués en tant que jeunes citadins venus d'horizons divers avec des ambitions multiples et variées. Mais ce qui nous a sauvés, c'est par la volonté de Dieu que notre parcours commun a été mis en lien avec un jeune lieutenant du nom de Babacar Gueye. Ce jeune lieutenant qui venait tout juste de Saint-Cyr avait pour un premier commandement la 22e compagnie d'instruction de Dakar Bango. Oui. Un officier émérite, un officier dynamique, un officier plein d'humour qui a guidé nos pas et qui a su transcender nos ardeurs qui sont nées dans nos esprits et dans nos cœurs. Cet officier, et c'est sur sa personne que nous avons porté notre choix pour qu'il soit notre parrain d'honneur. Cet officier, devenu chef d'état-major général des armées, général de corps d'armée, a su transcender nos ardeurs. Il a su nous porter dans ses bras avec la complicité de deux caporaux dont nous nous souvenons toujours pour le restant de notre vie. Ces deux caporaux sont le caporal Amadou Fall Canard Diop, devenu commandant au groupement national des sapeurs-pompiers, sur qui aussi nous avons porté notre choix pour qu'il soit notre leader pour cet événement, et dont sa structure dénommée PIP, Prévention, Incendie, Protection, explosion, dont le logo est affiché sur le côté gauche de nos équipements. Ces caporaux ont su aussi nous porter dans leurs bras. Et le caporal Famara Sissoko, qui... Le caporal Famara Sissoko, qui, par la tonalité de sa voix, rythmée par nos pas cadencés, se faisait entendre jusqu'au prytanée militaire. Ces hommes, s'ils n'existaient pas, il aurait fallu que nous les inventions. Parce qu'ils nous ont supportés. Ils nous ont mis sur le chemin du travail âpre, sur celui du travail rédigé en culte rédempteur, sur celui de la science et du savoir, et surtout, je dis bien surtout, sur celui de la bonne attitude et du bon comportement. À ces hommes, nous leur devons beaucoup et nous resterons fidèles à eux. Et pour ne pas être long, mon capitaine, nous sommes ravis. Nous sommes ravis et nous sommes aussi intrinsèquement par l'émotion, mais par votre voix, nous voulons, au retour du colonel Traoré, que vous lui dites que le compte de l'amical du contingent 74-1 est content de tous ses collaborateurs partant de l'oreille attentive qu'il a portée à notre attention et qu'il n'a ménagé aucun effort pour que cet événement soit une réussite de la plus belle des manières. Je vous dis merci et nous osons peut-être dans une année ou deux ans revenir pour faire le même périple et souhaitons au bon Dieu que personne d'entre nous ne manquera à se rendre. Amen. Merci. Mais les ronds des Flandres s'en vint sans pas de lit. S'en vint.
La, les fables de son pays. Il y a qui veut entendre de ses chansons. La, entendre de ses chansons. Okay. Oh, bon. Allez. Là, je suis adjoint du 12e bataillon, représentant le chef de corps Traoré, lieutenant-colonel Traoré, qui est empêché. On est très content, on est très ému de vous voir ici, présent. Donc ça montre que vraiment, vous aimez l'armée. Vous aimez l'armée parce que ça, 50 ans après, vous revenez ici. Visiter les locaux dont vous avez fait une formation initiale de base. Vraiment, ça, c'est aimer l'armée. Donc, nous, on est très contents. Et vous pouvez nous servir d'exemple. C'est ça qu'on a besoin. Donc, vous nous avez légué les traditions. On est dedans. Si les gens parlent de l'armée sénégalaise, c'est grâce à vous. L'esprit combativité, combatif, l'esprit de guerrier. Et partout dans le monde, les gens parlent des Sénégalais. C'est grâce à vous. Donc, on ne va pas vous trahir. Étant jeune, on va essayer de suivre vos pas. Là où nous serons, on va monter une exemplarité par rapport aux autres armées. Donc, on a intérêt à être comme vous, ou bien de faire plus que vous. Donc, on a besoin de vos prières. On a besoin de votre encadrement. N'hésitez pas. Parce que les jeunes que vous voyez, qui viennent d'arriver, donc, sauront que vraiment, l'armée, c'est une famille. C'est une famille quand même. Parce que ça, vraiment, on ne peut pas mesurer cette dimension. Parce que vraiment, c'est palpable. C'est palpable, vraiment, ça nous rassure. Ça nous rassure. Et c'est ça notre force. Et cette force-là, c'est la discipline. Vraiment, c'est la discipline. Merci. Vraiment, c'est ça qui nous permet quand même de faire la différence par rapport aux autres. De se montrer, si on est à l'extérieur, on parle de contingent sénégalais, des Sénégalais, les Sénégalais. Voilà, on a cet esprit de guerrier. Voilà, on montre l'exemple tout le temps dans le monde. C'est vraiment, on est très content. Merci beaucoup. Le chef de corps, à son nom, je remercie beaucoup. Parce que vraiment, si on reçoit des contingents, des gens, parce que vous étiez là, on n'était pas encore nés. Je pense qu'au niveau, actuellement, au niveau du le personnel de l'encadrement, on n'était pas encore nés. À part le lieutenant qui est là, le lieutenant Ben. Je pense que parmi le personnel de l'encadrement, il est le plus âgé, les officiers. Donc nous tous, on n'était pas encore nés. Donc nous, lorsqu'on était ici, il y avait 4 compagnies. Donc moi, je suis de la classe 2003. Je suis revenu ici comme officier adjoint. Donc tout ça, vraiment, c'est bien quand même. Donc on va suivre vos pas et votre exemplarité. On est très content de vous voir ici, vraiment. Vous êtes nos papas, vous êtes nos oncles. Vraiment, on est très... Merci. C'est une anecdote quand même. Lors de notre entretien avec le général Babacar Gaye, dans son long entretien, il nous a dit qu'il a eu à rencontrer le général, c'est-à-dire le général des armées, lors des vœux de nouvelle année. Il nous a dit, mon général, vous savez que maintenant, dans l'armée, les anciens sont formés en Amérique. Il faut passer à eux. Quand il y a une sortie de promo d'un CI, qui correspond, par exemple, nous, c'est la de 141, la 2024-1, soit parrainée à la sortie du promo. Ça, c'est Bouchard Roy, que le général nous a demandé. Il a dit ça au Sénégal. Ça, c'est une bonne idée. Donc, on va essayer de... Voilà, c'est ça. Je vais rendre compte directement au colonel. Donc, on va prendre ça en compte. Vraiment, c'est une bonne proposition. Une petite députation. Parce que dans les autres écoles, c'est comme ça. À l'ENOA, il y a toujours une barrière. Je pense qu'on va essayer d'argumenter pour qu'au moins, à la sortie, dans
4 mois, au mois d'avril, que vous serez là. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci, mon capitaine. La discipline. Abdou Khar et autres, à la 21, il faut aller les Ntikibi. Ak Jacques Barra. Et notre commandant de compagnie, à l'époque, comment il s'appelle le directeur d'école Fatek. Diallo ou bien vous Non, c'est Diallo. C'est Seydou. Seydou Sal. C'est Seydou Sal. Seydou Sal, il nous a commandé à la 22e compagnie, étant officier de réserve. Seydou Sal. Pour nous, il y a des choses de chez sun bir noppé ñi tek ci fukk leen la sax ben bu ci nek ñi tek ci yeneet ci fatiya basmala bi ñam ñam suñu way dawli yalla jéggaleen seeni baax amin amin ñom ñu fa fekk ñam fa fekk اللهم إنا نكرم عليك بنا ولمهتين ولهزتين وذرفتين يطوف بهم السماوات ما في السماوات ما في الأرض ومن تحت يسكن الله باسم يخلق ما بين أيدي ما خلفهم ولا يحيطون بشيء بعد ما شاء وسع كرسيه السماوات اللهم ارحم اللهم صل على سيدنا محمد آمين اللهم صل على والهادي إلى سيدك المسلمين وعلى آله وصحبه آمين آمين ربك رب زدت عما يصفون والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين 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 Allez, go. Élève gradé.
3 mois et le caporal. Très peu pratique. Ça me fait